Donc Jean-Michel, bonsoir. Dur match ce soir que tu as vécu depuis le banc. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi pour les Limougeaux? Ça a été un peu compliqué. Je pense que on est rentré dans le match d'une façon un petit peu, on va dire, légère un petit peu. Et puis on est tombé sur une bonne équipe qui savait bien jouer au basket, qui s'est créé des bons tirs ouverts. Et nous, on n'a pas su répondre, ils ont mis dedans. Nous, on a répondu en attaque au début, mais à l'extérieur, c'est clair qu'on ne va pas marquer 200 points. Donc, il faut être bien clair qu'il faut qu'on les empêche aussi de défendre, de marquer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait ce soir. Et voilà, c'est pour ça qu'on finit. Bon, honnêtement, ils mettent un peu des tirs du fond des tribunes. Il y a des moments, c'est juste gonflant, quoi. Oui, non, c'est clair. C'est clair que voilà. Mais bon, ils n'ont pas mis ça tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont eu des shoots ouverts au début. Ils sont pris le temps de se mettre en confiance gentiment. Et on les a laissés faire. Et après, c'est clair qu'à domicile, un match de Coupe de France, tout peut arriver. Donc, il faut être prêt et être dur pendant 40 minutes et jamais laisser l'équipe espérer. Sans trahir de secret, ça a gueulé un peu au vestiaire à la mi-temps ou c'est plutôt zen? Je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe avec des gens qui sont capables, qui ont pas mal d'expérience, qui sont capables de se rendre compte quand on joue mal et quand on va dans le mauvais sens. Et non, je pense pas que la meilleure chose soit de réellement crier, parce que bon, il faut qu'on se rende compte, on a quand même gagné et c'est un match de coupe. On sait très bien que c'est pas facile pour tout le monde. Et voilà, et c'est un match de reprise en même temps, donc bon, il faut être aussi relativisé aussi et être capable de se dire voilà. Est clair, et puis on a fait un mauvais match, mais il faut rebondir tout de suite. D'un point de vue perso, donc on pensait que tu allais jouer ce soir, ça n'a pas été le cas. T'en es où? Là, pour l'instant, j'ai eu le feu vert du chirurgien ce matin, et donc ça faisait un peu short. J'ai pas fait d'opposition encore à l'entraînement, donc ça faisait quand même short de rentrer dans un match. En plus, un match à enjeu, même si c'est un match à enjeu, c'est la Coupe de France, donc ça faisait un peu short. Donc là, et maintenant. M'entraîner demain et puis après départ pour Antibes, je pense que pour Antibes on verra, et ensuite derrière Saint-Vallier, je pense qu'on va commencer à réellement rentrer et essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup et bon courage. Bonne soirée.